C'est dommage. C'est dommage pour Stepanek qui était dans le terrain pour retourner. Essayer de faire la différence tout de suite dans l'échange. Mais bon retour. Il n'a pas eu le temps de se dégager là, Fernando González. Un petit peu à l'image de ce qu'on disait depuis 2-3 jeux. Un petit peu lourd. 30 à. Bon service, une nouvelle fois de la part du Chilien qui varie beaucoup. Et balle de 3-2 en faveur du numéro 6 mondial. Je González. Il souffle, mais pour l'instant... Il s'accroche bien là, Fernando González. C'est dur pour lui sur le plan physique. Mais il est toujours devant dans ce troisième set. Il mène 3 jeux à 2. Il a eu les jambes quand même, González, pour aller chercher cette demi-volée amortie. Mais bien fait. Ouais. Bien masqué en plus de la part de Stepanek. Ça. Elle va présence au filet, pourtant la première. Le volet était vraiment difficile à exécuter. Hein. Sous le filet, le retour de González était bon. Et derrière un ace, le 14e. Alors on le sent quand même beaucoup plus fringant dans cette troisième manche, Stepanek. Jeu Stepanek. Jeu de service aisément remporté par le Tchèque. 3 partout. De mal sur ses premières enchaînées. Stepanek a du mal à tenir l'échange derrière.
sortir. Il échappe à cette volée. Quinza. C'est lui cette fois-ci qui est décidé de venir à contre-temps. C'est dommage que Stepanek n'arrive pas à être plus constant en retour, faire jouer un petit peu plus Gonzalez. Il doit voir en plus que son adversaire est un petit peu moins bien dans cette troisième manche. Et Arneis, 40-15, deux balles pour mener 4-3. Septième ace. Bien servi, très bien servi de la part de Fernando González pour l'instant. Ce service tient, c'est son salut et ça lui permet de conserver la... Et à commencer par ses retours. 0-15. Il faut s'employer pour passer Stepanek. Trois gros coups délivrés par Gonzalez. Ah, bravo, grosse prise de risque. 0-30. Souvent comme ça, quand on est un petit peu diminué, on joue son va-tout. Arbitrage vidéo néanmoins demandé par Stepanek, mais c'est sur la ligne. Plus de possibilités pour Alex Stepanek, ça c'est important. Une seule si bien sûr ce match devait se conclure au tie-break du troisième set. Oui, bien fait de la part de Fernando González tactiquement. 0-40, 3 balles le break. Il craque un petit peu là à Stepanek. Mais il met énormément de pression sur ce jeu, González. C'est annoncé sur la ligne. Oui. Oh, c'est terrible là pour Fernando González qui avait quand même effectué un premier retour superbe. Un bon passing de coup droit là. Cette volée là qui flotte. Ça flotte, ouais. Hein. Ça flotte. Beaucoup de réussite quand même pour Radek Stepanek. Encore sixième, deux balles de break. Sixième balle de break écartée par Stepanek dans ce match. Voilà, voici la septième. Oh. Encore costaud. Une à sauver. Toujours pas de break dans cette partie. Elle est bien servi. Et il est revenu à 40 à. Ah, il peut s'encourager, il peut serrer le point à 0.